Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo aujourd'hui où nous allons mettre en pratique ce qui s'appelle le placement du joueur actif lorsque nous sommes au filet. Alors on en avait parlé dans une vidéo précédente que je vous invite à suivre ici en cliquant sur le lien et aujourd'hui c'est la mise en pratique dont je suis placé au filet. Comment je dois me placer, être le joueur actif au filet, réaliser mes déplacements par rapport à toutes ces balles-là. Je ne parle pas plus longtemps, c'est parti pour la pratique. Allez les amis, donc c'est parti, on commence avec la mise en pratique côté coup droit, d'accord, on va faire des volets coup droit et je vais ajuster mon placement suivant la balle que je vais jouer, d'accord, donc suivant la zone que je vais pratiquer, je vais pouvoir suivre ma balle ou pas, d'accord, je vous invite à regarder tout ça, après on passera avec l'horaire. Allez c'est parti, on commence, donc côté coup droit, donc on y va, si je suis ici, je vais jouer au centre, est-ce que j'ai intérêt de rester là-bas? Non, il vaut mieux que je reste ici, ok, on repart, je suis ici, coup droit au centre, je reste là où je suis, là. Voilà, là, je reste où je suis, ok? Donc ça va, là, je viens ici, je reste où je suis. Là, là, je reste où je suis, ok? Voilà, donc, je reste à ma place. La dernière, ok, ok? Donc ça, c'est la première chose. Ça a touché la caméra, c'est pas grave. Pour ici, je joue au centre, je reste là où je suis. On continue, volet de coup droit, je change ma direction maintenant. Donc, je viens ici, je viens chercher là-bas, je repars derrière. Je viens ici, je viens là-bas, je repars derrière. Ok, là, tac, je repars derrière. Pourquoi? Parce que, eh bien, après cette balle-là, pardon, après cette balle-là, peut-être, je vais avoir un lob. D'accord? Ok, là, je viens là-bas, et donc, je me replace derrière. Ok? Ici, je me replace derrière. Ok? Là, ça me permet à moi d'avoir vraiment plus d'aisance, d'accord? Avec mes volets là-bas, j'ai plus de temps, en fait, pour pouvoir contrer ça derrière. Ça va? Maintenant, on va jouer toujours la volée de coup droit, mais je vais aller chercher le long de ligne. On y va. Je suis ici, là, et je viens venir plus proche, d'accord? Donc l'idée, elle est là. Je suis ici, je viens là, et je viens me rapprocher du filet. Pourquoi? Parce que derrière, pardon, ça j'ai loupé. Là, je suis ici, je viens là. Décidément, je loupe tout. Allez. Là, je viens ici, je vais pouvoir la suivre, parce que c'est une balle qui est compliquée pour mes adversaires à défendre. D'accord? Donc là, là, je viens là, et je la suis. Ok? On repart. Je suis ici, là, je la suis, ok? C'est compliqué pour eux. On y va, là, là, ici, je la suis. Une dernière, tac, et je la suis, ok? Ça va pour ça? Donc, côté coup droit, pour reprendre rapidement, au centre. Je joue au centre, je reste là où je suis, je joue dans la diago, je me recule un petit peu, parce que je préviens, en fait, toutes ces positions qui pourraient arriver, donc des lobes, ou même de l'ouverture d'angle, et si je joue long de ligne, eh bien, je vais venir presser un peu plus. OK? Maintenant, on va voir avec le revers. OK? Ce que je vais pouvoir faire, en fait, avec mon revers. On va commencer avec ces balles que je viens jouer dans la diagonale. D'accord? Je joue dans la diagonale. Je reste derrière. C'est la même chose. Je reste derrière. Là. Là, je reste derrière. OK? Pourquoi? Pour exactement la même raison que pour mon coup droit. Dans cette zone là-bas, c'est que ben, je joue au l'angle en fait, d'accord? Donc ok, je joue naturellement bien, mais au moins, aïe, la caméra, voilà, là, ok, donc je reste dans la diago, ok, voilà, donc ça serait la base, d'accord? Pour ensuite, ces balles que je vais jouer au milieu du terrain, si je joue le centre, est-ce qu'il vaut mieux que je reste un petit peu derrière? Non, il vaut mieux que je ferme un petit peu le centre, ok? Allez, on y va. Là, et je vais aller au centre, ok? Là, là, et je reviens au centre. Là, ah, la chance pour moi. Là, je viens au centre, et je me replace. Là, au centre, et je reviens un peu vers le centre, ok? Là, au centre, je reviens vers le centre, ok? Là, au centre, je reviens vers le centre. Là, et je reviens vers le centre. Là, et je reviens vers le centre, ok? Hop là, j'ai joué. Là, je reviens vers le centre. Là, je reviens vers le centre. Ça va? Bien. Ok? Donc, dans la diago, je reste un peu en retrait. Au centre, je reste sur ma ligne, je reviens un peu fermer l'angle. Maintenant, on va aller sur le long de ligne. Ok? On continue avec la volée de revers, je vais long de ligne. Là, hop, je viens long de ligne et je viens presser. Même chose avec mon coup droit. Là, là, je viens ici et je perds le point. Bien joué. Et là, je rapproche. Ok? Et vous voyez que ces balles que je joue là, ce ne sont pas des balles hyper puissantes.
Ok, allez, c'est bon. Voilà. Et je viens la suivre parce qu'elle est compliquée pour eux à défendre. Ok, et je me rapproche. Voilà, donc en fait, je suis énormément en contrôle avec ce ballon-là. Pardon. Ok, et je la suis. Et je viens mettre la pression. Là, contrôle, et je viens mettre la pression. À une dernière. Ouais, là. Non, c'était l'avant-dernière. Ouais. Et je viens mettre la pression. Donc, je joue en contrôle pour chercher là-bas. Ok? On mélange un petit peu pour terminer entre le coup droit et revers. C'est toi qui choisis. Allez. Donc là, je vais au centre. Ok, je vais là, je recule. Là, hop, je viens coller. Hop, ici, je viens là-bas, donc je recule. Là, là, je reste là où je suis. Tac. Ok, je reste où je suis. Là, je viens coller. Donc ici, là, je viens coller aussi. Là, hop, je recule. Là, hop, faute. Dommage. Là, je reste là où je suis. Là, aïe, 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 aïe. Voilà. C'est compliqué, je viens coller. Là, c'est au centre, je viens au centre. Là, et au centre, je me replace. Ok? Donc, on a mélangé un petit peu tout ça. J'espère que ça vous aide à y voir un peu plus clair pour tout ce qui est déplacement actif. En fait, lorsque je suis au filet, je suis les balles que je joue en coup droit et en revers. N'hésitez pas encore une fois à laisser vos commentaires et on se retrouve très vite et très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci!